quoi? Comme Dieu a dit. Oh, mon ami, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, levez-vous. Est-ce que tu n'as pas assez de voir que ta souffrance, ça prend des formes différentes? Est-ce que tu n'as pas assez de voir que tes enfants souffrent? Dieu te dit, lève-toi. Parce que, écoute, si tu ne te lèves pas, rien ne se passera. Puisqu'il dit, commence la conquête. Et la conquête commence par le fait... Amen. Gloire à Dieu, asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Et avant de commencer, nous accueillons ce matin des merveilleux frères qui sont parmi nous. L'apôtre Yapo Hippolyte qui est venu de la Côte d'Ivoire pour une visite. Et donc nous t'accueillons et nous te disons sois le bienvenu. Amen, amen. Et nous avons aussi le frère Caleb Cabré. Et toute sa délégation, je crois que votre épouse aussi est là, Caleb. Elle n'est pas là. Et donc Sankara, le frère Jacques Sankara qui n'est plus à présenter, ils sont accompagnés d'une équipe de la Fondation Enfants pour Dieu. Recevons-le. Et que le Seigneur bénisse chacun. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui est convaincu que quelle que soit sa situation aujourd'hui, Dieu est sur le point de lui faire vraiment un grand bien. Hautement favorisé. Nous sommes des hautement favorisés. Vous savez, après le message du dimanche dernier, c'est comme si le Seigneur était revenu pour me rendre plus passionné de ce message. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais j'étais en train de dire, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, qu'est-ce que soit ce que les autres disent de toi, quels que soient les Jéricho qui ont enfermé ta destinée, Moab qui a enfermé ta destinée, peut-être que tu te dis que tu as un départ totalement raté. Et il y en a parmi nous qui sont convaincus qu'il n'y a rien de bon à sortir de leur vie. Ils sont dans un état où, quels que soient les enseignements, ils restent stationnaires. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Jérémie était dans la même situation que certains d'entre nous. Quand Dieu lui a annoncé le grand plan qu'il avait pour lui, prophète des nations, Jérémie n'y avait pas pensé. Jérémie ne pouvait pas accepter cela à cause aussi de ses pensées. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ce que le Seigneur, de ce que le Seigneur a conduit notre père spirituel pour nous entretenir, nous enraciner sur donc tout ce qui est des pensées. Jérémie a dit non, Seigneur. Tu t'es trompé, hein? Ça, c'est pour certains que tu as regardé, mais pas moi. Et il a commencé à développer tellement d'arguments à cause justement de ses pensées. Et donc, mais Dieu l'a arrêté. Il dit, attends. Moi, je ne me trompe pas. Dieu dit à quelqu'un ce matin que lui ne se trompe pas pour ta situation. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, malgré, bien que je sois en train de parler, il y en a qui disent que Dieu se trompe. Dieu te dit ce matin que lui ne se trompe pas par rapport à ta situation. Il te voit comme un grand évangéliste. Il te voit comme un grand prophète. Et il dit à Jérémie, attends. Ne regarde pas ce qui concerne ta vie, tes limites, tes défauts. Des limitations. Élargis ta vision au-delà de tes problèmes. Et dis-toi
dis-toi une chose. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Dis le Seigneur pour toi ce matin. Il n'y a rien d'étonnant de la part du Seigneur pour toi. Alors que tu te vois comme même un déchet de la société, Dieu te dit, il n'y a rien d'étonnant de ma part. Accepte ce qu'il est en train de te dire. Il a dit à Jérémie, attends. Dans Jérémie 1:5, il dit, avant que je ne t'eusse formé, dans le ventre de ta mère, si tu t'arrêtes ici, donc avant même que ton père et ta mère ne se rencontrent pour dire qu'ils constituent un couple, avant même qu'ils n'aient conçu un enfant, Dieu te dit qu'il te connaissait. Il te connaissait. Non, pense-y ce matin. Dieu te connaissait. Avant même que tu ne sois matérialisé. Avant même que tu ne viennes sur cette terre. Il te connaissait. Et il dit, avant que tu fusses sorti de son sein, moi j'avais déjà fini mon but pour ta vie. Ma vision était déjà arrêtée pour toi. Et c'était quoi? Je t'avais établi prophète des nations. Hey, il y a de la grandeur dans ta vie. Il y a de la grandeur dans ta vie. Parce qu'en plus, tu es venu en union avec Christ. En union avec Christ. Et c'est pourquoi Paul va te dire, comme il a dit aux Éphésiens, dans Éphésiens 2:10, il dit, car nous sommes son ouvrage. L'ouvrage de Dieu ayant été créé en Jésus-Christ. Et il dit quoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il a bien dit préparer d'avance. Donc au moment où toi tu n'étais même pas dans le ventre de ta mère, Dieu était, il avait préparé d'avance les choses. Et il dit, quand lui là il va sortir là, je colle ça à sa vie. Et je te connais, j'ai déjà tout établi. Qu'importe donc tes problèmes, tes situations, ce que Dieu a dit, personne ne peut dire non à cela. Que Dieu a préparé d'avance afin que tu les pratiques. Et j'aime beaucoup la version de la parole vivante, le même passage. Écoutons bien ce matin. Il dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a récréés. Donc, quand tu es venu en union avec Christ, Dieu dit qu'en réalité, il t'a récréé en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui. Tu ne peux pas être en communion avec le Christ et échouer. Je parle à quelqu'un ce matin. Et il dit, dans la communion avec lui, les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Et il ajoute, voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Ça ne te dit rien, hein? Il a tout arrangé d'avance. Zemba, j'aime quand tu hoches la tête comme ça. Tu es d'accord avec moi? Il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Le chemin est déjà tracé. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, sois relax. Le chemin étant déjà tracé, toi tu n'as plus qu'à y marcher. Je vous assure, quand tu comprends la parole d'une certaine façon,
tu es détendu. Quand tu comprends l'amour de Dieu pour ta vie, cela change radicalement ta mentalité. Et c'est pourquoi j'ai envie de dire, sois dans le repos. Quand je me préparais pour ce temps, j'ai senti l'amour de Dieu m'envahir. Et je vous communique cet amour ce matin au nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur. Et c'est pourquoi Dieu te dit, lui, il est plus préoccupé que toi-même pour ta propre vie. Il te voit dans tes luttes. Il te voit dans tes défis, les épreuves. Il sait que tes pensées ont été moulées à cause de ce que tes sens, cinq sens, voient et touchent. Mais Dieu te dit ce matin, il y a des territoires qu'il a tracés, prédestinés pour toi et toi seul, et personne d'autres ne peut les prendre, et tu as intérêt à les prendre parce que Dieu a déjà tout fait pour que tu puisses les prendre. C'est pourquoi il sait toujours comment nous sortir de nos forteresses, comment nous sortir de nos défis. Quand tout est attaché, mélangé, peut-être ta vie est comme ce rouleau de fil mélangé. On ne sait même pas comment prendre le bout pour enlever le fil. Mais le Seigneur dit, lui, il est le meilleur scénariste. Et quand il rentre en jeu, il te prend tout ça. En un seul jour, il te fait sortir de là où tu es pour te propulser sur le chemin de ta destinée. C'est pourquoi il va savoir toujours comment tourner nos situations à sa gloire. Aujourd'hui là, les temps sont mauvais. Et Dieu veut faire la différence entre ses enfants et le monde. C'est pourquoi il va faire en sorte que, à partir de maintenant, qu'on soit en train d'affecter notre génération. Partout où tu es, on voit la lumière de Christ en toi. Partout où tu es, on sent que l'Esprit de Dieu est dans cette personne. Et on sent qu'il n'est pas n'importe qui, parce que le surnaturel divin commence à se manifester dans sa vie. Il faut qu'on sente la différence entre toi et les autres. Oui ou non? La différence doit être nette. Et tu n'as pas besoin de parler. Vous savez, récemment, j'étais au Canada. Et les celles qui étaient autour de moi ont vécu cette scène. Il y a les jeunes dames qui nettoient les chambres. Il y a une qui est rentrée. Et entre-temps, elle était restée, elle me regardait. Après, elle me dit, vous êtes chrétienne. J'ai dit, mais pourquoi tu me poses cette question? Elle dit, quand je rentre dans cette chambre, j'ai le repos. Elle a dit ça. Les femmes qui étaient, celles qui étaient là-bas ont entendu ça. Et elle dit, vous êtes différentes des autres. Et qu'elle a demandé à la réception que pendant tout le temps de mon séjour, qu'on ne l'affecte pas à un autre étage. J'étais étonné. Mais j'ai dit oui. Et je lui ai dit, je suis pasteur. Elle dit, ah, maintenant je comprends. Donc, je n'ai pas parlé, mais elle a constaté. Mais ça, ce n'est que le peu qu'on peut constater par rapport au surnaturel divin qui doit commencer à se manifester dans ta vie. Donc, ce matin, je veux encore te dire que rien n'est impossible à ton Dieu. Et si nous regardons à la situation de ces deux femmes qu'on a traitées le dimanche dernier, moi je crois que Dieu a fini de nous convaincre. Oui ou non? Dieu a fini de nous convaincre qu'on peut être, comment on appelle ça chez ceux qui font le ballon, outsider. C'est-à-dire
C'est-à-dire que personne ne peut parier sur ton camp. Un départ totalement raté. On parle de destinée. On parle de vision. On parle de but pour la vie de quelqu'un. Il regarde sa vie, ses problèmes, ce qui l'entoure, et dit non. Dieu peut parler de tout le monde sauf moi. Regardez en résumé. Rahab. Elle est une cananéenne idolâtre. Et à cause de son peuple, elle-même, elle était sous sentence de mort. Parce que son peuple, c'est comme ça que Dieu voyait son peuple. Donc elle aussi, elle était dans ce cas. Prostituée de première classe. Rejetée par sa famille. Et elle s'est trouvée un logis que dans les murailles. Josué 2,15 dit dans les murailles. Est-ce que vous imaginez? Tout cela dans Jéricho, barricadé, fermé. Et Josué 6,1 dit personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Donc arrête-toi pour dire comment Dieu, la main de Dieu, d'abord les yeux de Dieu vont localiser cette femme-là dans cette situation, dans ses ordures, dans tout son contexte, et que sa grande main va aller l'enlever de là pour la propulser sur le chemin de sa destinée. Pose-moi la question. Si toi ça ne te choque pas, moi ça me choque. Et puis quand tu vois le contexte, on l'a dit la dernière fois, tu vas voir que Dieu a organisé, il a engagé les armées pour un seul but. Tout ce qui a été fait, les tours avec les armées, tous les actes prophétiques, en fin de compte, on s'arrête, on dit, tout ça, c'était pour qui? Un seul individu, une perle qui était dans de la boue, un diamant qui était caché dans un rocher, barricadé et fermé, et Dieu va aller l'extraire là et la sortir là. Et il fait en sorte qu'après tout le monde va dire hey, si on savait que c'était pour elle là, est-ce que ça en valait la peine? Parce qu'il ne savait pas ce que Dieu avait dans la tête par rapport à cette femme. Et c'est ce que je vais te dire ce matin. Les autres peuvent te regarder, ils peuvent te mépriser, mais ils ne savent pas le diamant que tu constitues. Alléluia. Ils ne savent pas qui tu es. Hey, dis à ta voisine, regarde-moi. Est-ce que tu sais qui je suis? Et posez la question, est-ce que tu sais qui je suis? Et puis dis-lui, il est temps pour toi de prendre la photo de là où on est assis ensemble. Parce qu'un jour, tu vas chercher cette photo-là et tu vas dire, regardez, moi-même, j'étais assise à côté d'elle ou de lui. C'est ce qui sera au nom de Jésus. Tu n'as pas vu des gens qui étaient des petits camarades et tout, et puis un jour, pap, premier ministre. Et puis, l'autre est obligé de faire, j'ai l'honneur pour pouvoir le saluer. C'est ce qui sera ton cas au nom de Jésus. Ou encore, ils étaient ensemble à la tour de prière et ils faisaient les délivrances. Et puis, pap, une onction spéciale est tombée sur lui et il devient un grand évangéliste, une onction extraordinaire. Et maintenant, l'autre cherche même à toucher son onction et n'arrive pas. Qu'il la soit ici pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Tu prends Ruth. On a dit qu'à Ruth. Elle, même chose. Moab, c'était le lieu où elle était fermée. Et Dota, départ totalement raté aussi. Et puis regardez, elle est maudite, là, c'est pas générationnel. Hein. Elle est maudite depuis sa souche. Mais, c'est-à-dire, ses cellules sont maudites. Puisque elle est d'une souche incestueuse. Vous voulez que je dise quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais en plus, très rapidement, elle est veuve très jeune. Elle est vivante.
Mais tout son projet de vie est à terre. Et quand il s'assoit, il peut penser. C'est vrai que je me suis allié à cette famille. Mais regardez. Dieu dit dans Deutéronome 23:3. L'ammonite et le moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui dit ça. Il dit même à la dixième génération. Et à perpétuité. Donc, jamais on ne peut voir un Moabite en relation avec un Israélite. Est-ce que ça ne te choque pas? Dieu va mettre, lui-même Dieu qui a parlé, il va mettre sa puissante main, enlever cette femme de Moab, la mettre à la suite de Rahab, comme pour nous choquer, pour dire ce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes voix ne sont pas ses voix. Et il enlève ces deux femmes, il les propulse. Pourquoi ils vont tous bas? Dans le chemin de leur destinée. C'est pourquoi, quand nous prenons tous les enseignements, depuis un temps, si vous vous rappelez, depuis la Pentecôte, papa nous a parlé tellement de la conquête victorieuse. Il nous a, et après nous voyons tous ces précieux enseignements qui se sont suivis. Vivre, marcher et agir selon la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Tout ce que nous avons vu dans la direction divine. La guerre des pensées. Le combat spirituel victorieux, c'est-à-dire tous ces enseignements-là, étaient là comme pour nous dire, prenez toutes ces briques d'enseignement, mettez-les ensemble, il y a un message pour ta vie. Et c'est pour te dire simplement que tu n'as plus d'autre choix que de posséder tes possessions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois posséder tes possessions et accomplir ta destinée. Les desseins de Dieu pour ta vie doivent s'accomplir. Et donc, s'il y a un but de Dieu pour ta vie, Dieu même est en train de s'en occuper pour que tu ne rates pas ce but. Et c'est pourquoi ce matin, dans le cadre de notre mois de l'église conquérante, qu'est-ce que papa nous a dit? Ce mois doit être un mois pratique. C'est-à-dire, il a même dit un jour, ce que tu as cherché depuis longtemps et que tu n'as pas eu, dans ce mois-là, tu n'as pas d'autre choix que d'y entrer. Je veux un amen croustillant parce que... Voilà. Wow. Tu dois y entrer. Parce qu'il a été poussé par l'esprit pour dire ça. Donc, si cela est, Dieu te dit, quel a été ton problème jusqu'ici? Quel a été ton défi? Quelles ont été tes épreuves? Ce mois-ci est le mois déclaré pour ta bénédiction, ton exaucement au nom de Jésus. Et c'est pourquoi Dieu te dit, à travers Ésaïe 28:23, il te dit, prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Écoutez ma parole. Donc, comme notre père spirituel a dit, pendant ce mois-là, ça peut être lui-même, ça peut être n'importe quel prédicateur ou n'importe quel enseignant, mais prenons garde à la manière dont nous écoutons. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que Jésus lui-même a dit dans Luc 8:18, il dit dans la première partie, il dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Et plus tard dans Jean 13:17, il dit, si vous savez tout ce qu'on est en train de vous enseigner, vous êtes heureux. Mais il ajoute, pourvu que vous les pratiquiez. Vous êtes heureux. Nous sommes heureux parce que nous recevons la crème de la révélation. Mais est-ce que
En tant que conquérant vainqueur, nous puisons, nous savons nous asseoir humblement, écouter la parole, ne pas faire être sélectif sur les tous ceux qui viendront à la chair. Parce que vous savez, le peuple de Dieu est assez étrange, hein, souvent. Chacun a son prédicateur. Chacun a son enseignant. D'autres vont dire, quand c'est l'enseignant, amen, je suis content. D'autres disent, oh non. Quand c'est le pasteur Mamoudou, il va te dire, c'est important, hein. Ceci est très important. Et d'autres vont dire que c'est ça la même qui me plaît en lui. Et chacun a taillé son enseignant. Et même que chacun va tailler, faire une sélection en se disant je ne veux pas que tout le monde me touche. Je veux que ce soit maman ou papa. Vous comprenez ce que j'ai dit, non? Et d'autres vont dire, Évrard là, depuis un temps, c'est on sent l'onction qui monte. Si c'est pas lui, je ne veux pas que quelqu'un me touche. Donc quand on dit d'aller prier, certains vont faire comme ça. Ils regardent, est-ce que c'est Évrard qui vient vers moi? Si c'est pas Évrard, il fait tout pour. Il faut que ce soit Évrard. Tu peux manquer ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être que dans tout cela, c'est le plus jeune évangéliste que Dieu envoie vers toi, que Dieu a fixé pour que tu reçoives ta bénédiction. Mais toi, tu le refuses et tu dis que tu veux tel. Ou encore, si ce n'est pas tel, tu ne l'écoutes pas. Écoute, Jésus, le plus grand enseignant, le plus grand prédicateur, a été aussi confronté à ça. C'était des foules qu'il enseignait. Il prêchait pour des foules. Mais au même moment, il s'est rendu compte que les gens, ce n'est pas toujours que les gens pratiquaient ce qu'ils disaient. Et tu vois, Ecclésiaste 1:9 dit quoi? Il dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc il faut que nous changeons. S'il n'y a rien de nouveau, ça veut dire que nous aussi aujourd'hui, on peut être confronté à ce que notre maître a eu sur son chemin. Il parle, il prêche, il enseigne. Et ce n'est pas toujours que les gens prennent cela au sérieux. Et c'est pourquoi Jacques dit dans Jacques 1:22, Jacques va dire, mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Donc soyons humbles. Disposons nos cœurs. Peut-être on peut arriver mercredi trouver que c'est un vase précieux qui est ici, à Boufo. Un vase précieux. Ils sont là. Et il prend le micro. Toi, tu vas dire, hey, ça c'est quelle comédie aujourd'hui. Alors que c'est lui-là que Dieu a prédestiné, a prévu ce jour pour la bénédiction des gens. Donc ne soyons pas des calculateurs. Soyons humbles, écoutons, disposons nos cœurs et rentrons dans ce que la grâce que Dieu a taillé pour nous à travers de grandes révélations. Écoutons la parole. C'est-à-dire ne résistons pas à ce que Dieu fait. Parce que je crois que quelque part on sent que Dieu est un peu fatigué de voir que on donne tellement d'enseignements, mais à certains niveaux ça ne bouge pas. Balaam a démontré un cœur qui résistait à la parole de Dieu. Dieu lui a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il tenait à ce que lui veut faire. Dieu envoie un ange pour barrer le chemin. Dieu finit par utiliser sa propre ânesse pour lui parler. Et Dieu lui dit, attention, ce peuple-là, on ne peut pas le maudire. Hey, peuple de Dieu, Dieu te dit ce matin, personne ne peut te maudire. Tu es immaudissable. Personne ne peut te tuer. Tu es peut-être immourable. Papa crée des mots, non, nous aussi on crée. Tu ne peux pas mourir parce que quelqu'un se lève pour dire qu'il veut que tu meurs.
Dieu dit à Balaam, attention, ce peuple-là, personne ne peut le maudire. Mais malgré tout, vous avez vu comment il a résisté. Et c'est pourquoi, dans la conquête de nos territoires, parce qu'il faut qu'on revienne sur cet enseignement, à Pentecôte, papa avait décortiqué cela. Mais puisque nous sommes dans un mois pratique, nous devons sortir de ce mois. Chacun doit dire, j'ai pris possession de mes territoires, des territoires de ma destinée. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi un bon amen. À la fin de ce mois, quelle que soit ta situation, est-ce que c'est un cas de maladie? Est-ce que c'est un cas de pauvreté, de prospérité, d'emploi et des problèmes spirituels, des territoires spirituels que tu dois prendre, des territoires familiaux et familiales que tu dois prendre? Quelle que soit la situation avec laquelle tu as lutté, d'ici la fin de ce mois, tu dois pouvoir dire, je suis rentré dans mes territoires, les territoires de ma destinée. Parce que quand Dieu parle, il pousse par l'esprit, et ça veut dire donc que c'est déjà fait. Et toi maintenant, il attend que tu fasses ta part. Parce que Éphésiens 1:3 dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et dans 2 Corinthiens 2:14, qu'est-ce qu'il a dit? Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, toujours, pas quelques fois, mais toujours triompher. Toujours. Et ces paroles doivent être esprit et vie en nous. Et dans 2 Pierre 1:3, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné tout. Even Pierre t'a vu quand on doit la. Et c'est pourquoi Paul va dire rapidement aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3:21, il dit que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à nous. Dans 1 Corinthiens 3, Paul était à ne pas tenir zéro, mais pour me faire y la. Et c'est comme tout cela est vrai. Je ne dirais pas si c'est vrai, mais tout cela est vrai. C'est pourquoi nous devons aussi nous arrêter. Le verset clé dans ce mois-là aussi, Dieu nous pose la question dans Ésaïe 53:1, qui a cru à ce qui nous a été annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel à travers les différentes situations? Qui a cru, qui a reconnu? Ça veut dire des choses complexes, spirituelles, aux choses simples de la vie. Dieu a préparé tout cela pour nous. Et c'est pourquoi je vois des jeunes filles qui attendaient le mariage, qui vont chanter Alléluia parce qu'ils ont reçu leur bénédiction. La stérilité sera vaincue dans ce mois au nom de Jésus. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant et que tu fasses ta part. David nous l'a dit. Et David était en avance sur son temps. Dans le psaume 68, 29, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est une ordonnance divine. Prends cela comme une ordonnance divine. Une ordonnance à force de loi. Elle est exécutoire. Elle n'est pas sujette à discussion. Tu dois être puissant. Et tu dois t'accaparer des territoires de ta destinée. C'est pourquoi le titre de notre message aujourd'hui, c'est Voix. Lève-toi et prends possession de ton héritage, de ton territoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu rentres déjà dans ce titre-là? Vois comme Dieu voit. Mais maintenant, tu dois te lever. Dieu fait sa part, toi aussi tu dois faire ta part. Et tu ne peux pas faire ta part
femme, si tu ne te lèves pas, et quand tu te lèves, tu dois rentrer en action. Et quand tu entres en action, Dieu dit que tu n'as pas d'autre choix que de prendre possession de ton territoire, des territoires de ta destinée ou encore de ton héritage. Et c'est pourquoi le verset clé de la conquête, comme nous l'avions vu avec papa, c'est Deutéronome 2 au verset 24. Lèvez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Il dit, vois, c'est quoi? C'est déjà fait. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est déjà accompli. Il dit, vois, je livre en tes mains Sion. Et il ajoute, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Il ajoute, commence la conquête et fais-lui la guerre. Donc, et si nous continuons au verset 25, il est dit, je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Dieu n'a pas dit que c'est ton mérite. Dieu n'a pas dit que c'est ton combat. Il dit que c'est lui qui va répandre. Et il dit quoi? Dès aujourd'hui. Écoute, si tu manques les boucles prophétiques de ce message-là, ça te regarde. Il dit, dès aujourd'hui, je vais repentir dès aujourd'hui. Il y a une force, il y a une onction dans ça. La frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et il ajoute quoi? Au bruit de ta renommée. Ça veut dire que Dieu t'a déjà affecté une renommée, une grandeur. Parce que quand il parle de renommée, c'est qu'il y a la grandeur qui a sous-tend la renommée. Et il ajoute, tes ennemis trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Voici la parole pour toi ce matin. Maintenant, regardons pour mieux comprendre pourquoi Dieu a parlé ainsi. Nous devons voir le contexte de ce passage. Est-ce qu'on se rappelle que Dieu avait parlé de Canaan aux enfants d'Israël? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé, il a dit à Moïse, dans Nombre 13, d'envoyer les hommes pour explorer le pays de Canaan. Un pays où coule le lait et le miel. Dieu les avait vus fatigués. Et Dieu dit, je vous envoie dans ce pays où coule le lait et le miel. Il dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que moi, l'Éternel, je donne aux enfants d'Israël. Il n'a même pas dit, je vais donner. Il a dit, je donne. C'est-à-dire, c'est fin. Et donc, Moïse a dû sortir 12 hommes des tribus, des 12 tribus. Une délégation par tribu. Et ils sont partis pour explorer le pays. Ce que Dieu a dit, Dieu dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est comme la destinée fructueuse, la pensée que Dieu t'a donnée depuis longtemps par rapport à ta vie. Et Nombre 13, 23 dit, ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Escol où ils coupèrent
faire. Ils ont exploré le pays. Ce que Dieu a dit est réel. Ils sont allés jusqu'à couper une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux. Ils étaient obligés de porter ça à deux. Au moyen d'une pêche. Courant, est-ce qu'on s'entend? Au moyen d'une pêche. Ils prirent aussi des grenades et des figuiers. Donc, ce qu'ils ont visité, ils ont vu que c'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé à leur retour? Tout ça, c'est pour résumer. À leur retour, au bout de 40 jours, voilà le rapport qu'ils firent à Moïse, Aaron et à toute l'assemblée d'Israël. Nous voyons ça dans le nombre 13, 25 à 26. Il dit, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Regardez au verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert de Paran. Et ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Donc, on imagine qu'ils ont dit ce que Dieu a dit là. On a vu les traces. Dieu ne peut pas mentir. Il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, et fils d'homme pour se repentir. Donc, ils viennent y faire le rapport. Mais maintenant, sur les 12, regardez, il y a 10 qui vont s'allier. Regardez leurs propos. Dans Nombre 13, 27 et 28, voilà ce qu'ils disent. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyé. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils pouvaient s'arrêter là. Oui ou non? Et ils montrent les preuves et en voici les fruits. Le verset 28 vient poser un problème. Ils disent, mais là, c'est les 10 qui rapportent. Hein. Ils disent, mais là, tu sais, quand tu commences à mettre mais là, tu gâtes la sauce. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Est-ce que Dieu n'avait pas vu tout cela en disant que je vous y envoie? Les villes sont fortifiées. C'est un paramètre carré. Très grande. Si il s'arrête là, encore. Mais ils ajoutent, nous y avons vu des enfants d'Anak. Donc ici, encore les pensées, encore les cinq sens. Contrairement à ce que la parole de Dieu a dit. Et nous sommes souvent dans ce problème, ce dilemme. Dieu te parle, mais tu regardes autour de toi. Ah, ma famille est la plus pauvre. Comme Gédéon avait parlé. Je ne suis pas allé à l'école. Je n'ai pas une grande éducation. Et puis je ne suis pas allé à l'école biblique. Voici les repères autour de nous. Ils regardent, ils disent, le pays est bon. Mais ils ajoutent tout ce que leurs cinq sens ont vu toucher et qui ont fait affecter leur pensée. Quand la pensée est mal affectée, la bouche est le directeur commercial et la bouche va te vendre. Du trop plein de ton cœur, ta bouche va parler. Et c'est ce qui s'est passé. Et regardez en Nombre 13, 31, 32, il dit au verset 31, mais les hommes qui étaient allés avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Donc ils viennent contredire ce que Dieu a dit. Le verset 32 dit, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays.
et qui ont reconnu que ce que Dieu avait dit était vrai. Maintenant, ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et voilà ce qu'ils disent. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Est-ce qu'ils sont partis faire tout le tour là? Est-ce qu'ils ont été dévorés? Souvent, on exagère. Et il faut faire attention. Ils dévorent les hommes. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et voici à cause de ce rapport, ça c'est les 10. Nous voyons dans nombre 14, 1 à 2, tout, écoutez bien, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura toute la nuit. une veillée de pleurs. Voilà, veillée. Oui. Toute la nuit. La parole de Dieu qui le dit. Regardez le verset 2 dit, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Pourquoi donc nous ne sommes pas morts dans le pays d'Égypte? Regardez comment nos propos peuvent amener des gens à pécher. Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans le désert? Regardez jusqu'où ils vont. En pleurant, ils disent des propos. Attention, quand tu es dans des difficultés, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention à tes propos parce que tu heurtes le cœur de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. À cause de la pression des difficultés, tu es en train de pécher gravement contre Dieu. Tu es en train de dire des choses insensées. Et Dieu n'est pas content. Ce matin, tu dois te ressaisir. Pourquoi parles-tu ainsi? Pourquoi laisses-tu ta langue t'amener en dehors de la parole de Dieu et dire des choses qui heurtent le cœur de Dieu? Et en même moment, tu affectes négativement les autres autour de toi. Mais là, il y avait deux personnes, Josué et Caleb, qui se sont démarqués de cette attitude. Ils sont restés positifs par rapport au rapport. Voilà ce qu'ils ont dit. Regardez dans Nombre 14, 6 et 7. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunné, ils ont déchiré leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru est un pays très bon, excellent. Souvent, ne regarde pas une majorité. Si tu es convaincu, parce que la parole de Dieu te dit, positionne-toi derrière la parole. Et c'est ce que Josué et Caleb ont fait. Ils ont dit non. Nous démarquons de ce que les autres disent. Ce que Dieu a dit, c'est ça. Et tu dois dire ce matin ce que Dieu a dit de la destinée qu'il t'a donnée. C'est une destinée glorieuse. Répète avec moi. J'ai une destinée glorieuse. J'ai la grandeur dans ma vie. J'ai une destinée prophétique. Personne ne peut me dire le contraire. Quel que soit ce que mes cinq sens voient, moi je rentre dans cette destinée. Et Dieu est en train de me dire que je dois y entrer parce que tout est déjà établi. Je ne peux pas faire autrement.
Premièrement, je suis d'accord avec Dieu et sa parole. À cause de cela, vous me verrez rentrer dans le pays de Canaan, dans mon Canaan, où coule le lait et le miel. Personne ne m'empêchera. Cela est déjà fait. Cela est déjà scellé. Au nom de Jésus, acclame pour toi-même. Maintenant, regarde. Ils ajoutent, seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. Quel courage, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. L'Éternel est avec toi, ne crains pas tout ce qui t'entoure. Le Seigneur est avec toi, ne crains pas les méchants, ne crains pas ceux qui veulent te faire du mal. L'Éternel est avec toi. Il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans toutes tes situations, sois conscient de la présence de Dieu en toi et avec toi. La présence de Dieu est en toi. La parole de Dieu te dit dans 1 Jean 4:4, vous petits enfants, vous les avez vaincus. Vous avez vaincu les circonstances. Parce que celui qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Acceptez cela au nom de Jésus. Amen, amen. Mais regardez, la réaction de Dieu ne s'est pas faite attendre. Nombre 14:27. Dieu va dire, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Quand tu murmures, Dieu te qualifie de méchant. Arrête donc tes murmures. Pourquoi murmures-tu? Voici comment Dieu te voit. Méchant, méchante. Et il dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Et la décision de Dieu ne se fera pas attendre. Regardez, dans Nombre 14:34-35, il dit, de même, écoutez bien, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez que c'est ce que c'est que d'être privé de ma présence. Dieu nous avertit ce matin. Ne soyons pas privés de sa présence. Attention à ce qui sort de nos bouches. Et le verset 35 dit, moi l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans le désert. Et ils mourront. La sentence a été là. La sentence a été là. Le verset 37 nous dit, ces hommes qui avaient décrié le pays, effectivement, ils moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Vous voyez jusqu'à quel point, quand Dieu, quand nous dépassons une certaine limite, personne ne peut arrêter la main de Dieu en ce moment. Regardez, il mourut frappé de plein, d'une plaie devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Profitons du temps de la grâce. Maintenant, Josué, fils de Nun, et Caleb, 38, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Regardez à quel point on peut se faire frapper. Peut-être que toi, tu ne vas pas mourir physiquement, mais tu vas mourir dans tes affaires. Tu vas mourir par rapport à ta prospérité. Tu vas mourir parce que des maladies vont s'établir. Et tu vas prier en vain, tu ne sauras pas pourquoi. Mais Dieu t'avertit et m'avertit ce matin. Faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Et immédiatement, le reste du peuple va essuyer une grande défaite devant leurs ennemis, les Amalécites. Et c'est là qu'on voit dans le verset 45, alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Orma. Voici les enfants d'Israël. Et ceux-là que Dieu dit, ce sont mes enfants qui sont battus
par leurs ennemis. Ne permets pas que Dieu enlève sa présence de toi et que tu sois battu par rapport aux différents aspects de ta vie. Fais attention. Et Dieu les a fait en ce moment retourner dans le désert pendant 40 ans, puisqu'il l'a dit. Ce que Dieu leur a infligé comme sanction, il dit 40 ans. Un jour, vous avez fait 40, les envoyés ont fait 40 jours pour explorer. Ils sont venus être une génération méchante en parlant contre ma parole. Chaque jour des 40 va équivaloir à un an. Donc 40 années de souffrance. Quel a été le péché que tu as commis et qui t'a entraîné dans une si longue période de souffrance? Quelles sont les situations qui t'ont amené aujourd'hui dans cet état de souffrance? Tu pries, mais tu ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu as besoin de rentrer en toi. Épreuve par-ci, détresse par-là, échec par-là. Qu'est-ce qui t'a entraîné dans ça? Et maintenant, si tu sais crier à Dieu, si tu sais ce qui se passe dans ta vie, et toi seul, tu dois savoir ce qui se passe dans ta vie, tu dois parler à Dieu. Et je voudrais qu'on baisse la tête. Est-ce qu'il n'y a pas une situation que tu as laissé passer dans ta vie, que tu as laissé passer dans ta famille, que tu as laissé passer dans ton entreprise, une situation qui n'a pas plu à Dieu et qui t'a amené dans ce que tu vis? Ce matin, baisse ta tête. Ce matin, parle à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait et qui a heurté le cœur de Dieu? Comment as-tu pu faire tant d'avortements, femme? Et aujourd'hui, tu es en train de chercher en vain un enfant. Qu'est-ce que tu as fait de tes enfants, de la vie de tes enfants? Comment tu as affecté négativement la vie de tes enfants? Et aujourd'hui, tu es dans l'impasse. Qu'est-ce qui se passe dans ton travail, dans ton ministère? Ton ministère bat de l'aile. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Aujourd'hui, Dieu te dit, alors que tu as baissé la tête, parle-lui. En deux minutes, le cœur de Dieu va être touché. Parce que ce message est là pour te relever. Parce que Dieu a vu ta souffrance. Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves? Qu'est-ce qui t'a entraîné dans cette situation? Qu'est-ce qui fait que tu souffres? Qu'est-ce qui fait que la souffrance dure? Qu'est-ce qui fait que tu es dans l'impasse par rapport à ton travail? Qu'est-ce qui fait que la pauvreté s'est installée dans ta maison? Ce matin, le Seigneur veut que tu lui parles. Le Seigneur te demande d'être honnête devant lui. Le Seigneur te demande d'ouvrir ton cœur. Qu'est-ce qui est en train d'amener la destruction dans ta vie? Parle à Dieu ce matin. Ô Seigneur, je m'accorde avec chacun d'eux. Ceux qui sont dans les réseaux sociaux, ceux qui sont en présentiel. Ô Seigneur, nous nous accordons avec eux pour crier à toi. Ô Seigneur, fais grâce ce matin. Tu es un Dieu lent à la colère, riche en miséricorde, et tu ne nous laisseras pas crier en vain. Tu as dit que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il vient à son secours. Il vient le sauver. Ô Seigneur, viens ce matin. Ton peuple est là. Tes enfants sont là. Ils sont sincères devant toi. Ils veulent se relever. Tu as dit que nous n'avons pas d'autre choix que de rentrer dans notre destinée. Cela est une condition. Seigneur, viens à notre secours. Viens au secours de tes enfants. Viens au secours de tes fils et de tes filles. Viens au secours de ceux qui sont en train de crier à toi à travers les réseaux sociaux. Ô Seigneur, fais grâce. Nous te demandons, à partir de cette prière, que Seigneur, toi-même, tu arrêtes cette souffrance. Tu arrêtes cette souffrance. Tu arrêtes cette souffrance. Merci Seigneur. Que le sang de Jésus efface maintenant la peine de nos péchés, de nos fautes, de nos manquements. Seigneur, fais grâce. Fais grâce
ce matin. Tes grâces ce matin. Tes grâces ce matin. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Nous invoquons ce sang ce matin. Tes grâces, oh Dieu. Père, tu es notre Père. Et tu ne veux pas nous laisser continuer à souffrir. Tu veux qu'on se relève. Tu veux qu'on se relève. Merci Seigneur. Ton projet va s'exécuter dans notre vie. Merci pour ta grâce. Parle à Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci parce que je te vois agir dans la vie de ton fils, de ta fille qui est honnête, qui est sincère et qui crie à toi, qui croit en tout ce que nous sommes en train de dire et qui veut te voir à l'œuvre dans leur vie. Merci parce que je crois. Je crois, Seigneur, que tu es venu à notre secours. Ta compassion, ta miséricorde. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Et le Seigneur te dit, alors qu'il t'a pardonné, toi-même, pardonne-toi maintenant. Accepte de te pardonner. Accepte de te pardonner. Parce que lui, il a effacé. C'est un message prophétique. Il a effacé cette peine. Et à partir de maintenant, tu vas voir quelque chose de nouveau s'élever dans ta vie. Tu vas voir quelque chose de nouveau s'élever dans ta vie. Amen, amen. Alléluia, nous continuons. Et c'est pourquoi, comme Dieu a eu compassion des enfants d'Israël, et la compassion ce matin de chacun, de chaque fils et fille. Et c'est pourquoi dans Deutéronome 1:3, il est dit, dans la 40e année, ce qui équivaut à ce qui s'est passé ce matin. Il dit dans la 40e année, au 11e mois, le premier mois du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire. Et je prends la place de Moïse pour parler à chacun ce matin. Il dit dans Deutéronome 1:6, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous étiez dans la souffrance, vous étiez dans la stagnation. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Ma compassion est venue à vous. Et il dit maintenant dans Deutéronome 1:8, voyez, vois, parce que c'est déjà fait. Puisque Dieu a eu compassion de toi, j'ai mis le pays devant vous maintenant. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. La peine de ton péché est effacée ce matin. Mais là, pour rentrer dans cette bénédiction, il y avait des géants, des forteresses devant eux. Pour posséder leur héritage, ce que Dieu leur a promis, il y avait des étapes à franchir. Le torrent de l'Armon. Puisque Dieu dit dans Deutéronome 2, au verset 24, il a dit, levez-vous. Puisque vous avez assez duré, tenez-vous debout et allez. Levez-vous, partez, passez le torrent de l'Armon. Et il dit, vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Et il dit, mais maintenant, comme moi, j'ai fait ma part, toi tu dois changer tes pensées et tu dois développer des attitudes de guerre pour
prendre possession de ce qui est devant toi. Ce que tu avais perdu, Dieu dit maintenant tu dois y rentrer. Tu dois prendre possession de, ton héritage. Le territoire est devant toi. Et dit, lève-toi. Pars. Passe le torrent de l'Arnon. Regarde. Vois. Quand il dit regarde, vois, ça veut dire que lui, il a déjà tout accompli. Et il dit, je livre en tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amorien et son pays. Et toi, ta part, c'est de faire la conquête, de commencer la conquête. Tu dois commencer la conquête. Conquérir par tes pensées. Change tes pensées. Pardonne-toi toi-même. Développe des attitudes positives. Enlève le jugement de ta vie. Et avance. Fais la conquête. Et fais-lui, commence la conquête et fais-lui la guerre. Est-ce que quelqu'un est toujours d'accord avec moi? Maintenant, regardez. Le torrent de l'Arnon. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Arnon veut dire bruyant. Bruyant, ce qui se meut vite. Et à cause du fait que c'est bruyant, c'est très difficile de passer. Voici un symbole fort. Et l'Arnon évoque dans la Bible la force et la puissance d'un ruisseau rugissant. Donc ce ruisseau là, pour le traverser, c'est très difficile. Mais Dieu dit quoi? J'ai livré. Je livre en tes mains Sion, roi de Hesbon. Mais avant cela, Dieu dit, lève-toi, partez et passez le torrent de l'Arnon. Ça veut dire que désormais, ce torrent-là qui est bruyant, ce torrent-là qui est un blocage, je maîtrise ce torrent pour toi. Ah, tu n'as pas compris. J'espère que tu n'es pas fatigué. Un torrent qui empêche même le passage. Un blocage. Et Dieu dit que tu passes désormais. Il n'y aura aucun problème. L'Arnon ne peut pas empêcher ton passage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce qui était bruyant dans ta vie, ce qui t'empêchait de continuer ton chemin, Dieu dit qu'il maîtrise cela pour toi. Il dompte l'Arnon pour toi. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Et quand nous voyons l'Arnon, nous pouvons voir aussi Sion. Qui est Sion? Sion était le nom du roi des Amoréens. Écoutez bien, il siégeait dans la ville de Hesbon, mais son royaume s'étendait entre l'Arnon et le Jabbok. Sion veut dire quoi? Sion veut dire celui qui détruit et qui extermine tout sur son chemin. Si le torrent de l'Arnon est un ruisseau bruyant, difficile à traverser, Dieu dit, attention, même Sion là, c'est un autre symbole. Sion veut dire celui qui détruit et extermine tout sur son passage. Donc le roi Sion là, c'est un guerrier, ça évoque un guerrier qui éradique, qui détruit tout sur son chemin. Il représente donc une forteresse. En plus de l'Arnon, de grands blocages sur le chemin. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas progresser facilement à cause de l'Arnon, qui est un ruisseau bruyant, difficile à maîtriser, mais à cause de Sion, qui était un guerrier qui détruit tout. C'est le symbole de la destruction. Dans ta vie, il y a des Sions, des blocages qui font que tu n'arrivais pas à avancer. Et il y a des méchants qui ont bloqué ta vie exprès, ils se sont assis sur tes intérêts, ils ne veulent pas que tu avances. C'est ça le symbole de Sion. Mais Dieu dit, lève-toi, vois,
et avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu dit cela, c'est tout simplement parce qu'il a déjà tout accompli. Il dit, levez-vous, partez. Parce que désormais, l'Arnon ne sera pas un problème pour vous. Le roi Sion ne sera plus un problème pour vous. Ceux qui ont été méchants contre vous, après cette repentance, leur bras est brisé au nom de Jésus. Leur plan est anéanti au nom de Jésus. Les blocages dans ta vie sont levés au nom de Jésus. Les blocages pour tes projets sont levés au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêchait de rentrer dans une prospérité, Dieu te dit, si c'est l'Arnon, si c'est le roi Sion, tout cela est démantelé au nom de Jésus. Et il dit, moi, je livre en tes mains celui qui était méchant et qui t'empêchait d'avancer. Dieu dit, le pouvoir a changé de main. Désormais, c'est toi qui as le pouvoir et la force en tes mains. C'est toi maintenant qui vas régner. Là où tes ennemis régnaient, il dit que désormais c'est toi qui vas régner. Et il dit, l'amoureux est son pays. Commence la conquête et fais-lui la guerre. Quand Dieu dit vois, ça veut dire que tout est déjà accompli. Tout est déjà fait. Tout est déjà préparé. Tout est déjà établi. L'armoire ne sera plus un problème. Sion ne sera plus un problème. Tous ceux qui ont voulu te détruire, ils sont paralysés au nom de Jésus. Moi, je veux que tu saisisses aujourd'hui la portée prophétique de ce qu'on est en train de faire. Les gens qui se sont levés, tes projets, là, ils mettent le pied. Tes entreprises, ils les bloquent. Écoute, les villes et les villages, les portes semblaient fermées. Et à partir de ce message, les portes s'ouvrent pour toi au nom de Jésus. Je prends la clé de la maison de David, Esaïe 22, 22. Quand elle ouvre une porte, personne ne peut la fermer. J'ouvre ces portes ce matin au nom de Jésus. La porte de ta prospérité spirituelle. Écoute, tu vas appeler un pour se convertir, sans vont répondre. Les villages et les villes seront obligés d'ouvrir leurs portes pour vous laisser rentrer. Là où on disait que c'était fermé, l'armon qui était bruyant et qui empêche de passer, Dieu a dompté maintenant votre armon au nom de Jésus. Vous allez rentrer dans les villes, dans les villages, et beaucoup seront convertis au nom de Jésus. Tu vas appeler un sans vous répondre. L'entreprise est obligée de se remettre à jour. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce qui était méchant est devenu docile pour toi. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis? Les rapports qui étaient contre toi sont effacés ce matin au nom de Jésus. Je vois ce dossier de justice qui était contre toi. Ce dossier de justice est total. C'est-à-dire on est obligé de dire que tout est effacé. C'est fini. On a tout arrêté. Reçois cette grâce ce matin au nom de Jésus. Dans ta marche vers ta terre promise, tout ce qui constituait des blocages pour ta vie, je déclare ce matin que tout cela est levé au nom de Jésus. Et regardez, puisque Sion est le symbole de la méchanceté, il avait refusé même à Israël le passage dans son pays. Il est obligé d'ôter sa main et de tuer. Et parce que Israël était obligé, il est dit dans Nombre 21 au verset 24, Israël frappa Sion du tranchant de l'épée et s'empara de son pays, depuis l'Arnon jusqu'à Jabok. Car la frontière des enfants d'Ammon était fortifiée. Parce que Sion, c'était le symbole de la méchanceté. Il refuse même à Israël de passer par son pays. Mais il a été frappé. Israël a eu la victoire. Toi aussi, tu as eu la victoire ce matin. Et tu vois, Esbon veut dire forteresse. Et tes Esbon sont brisés ce matin au nom de Jésus.
tu dois rentrer en possession de ton territoire, le territoire de sa destinée. Et ce matin, comme Dieu a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, levez-vous. Est-ce que tu n'as pas assez de voir que ta souffrance, ça prend des formes différentes? Est-ce que tu n'as pas assez de voir que tes enfants souffrent? Dieu te dit, lève-toi. Parce que, écoute, si tu ne te lèves pas, rien ne se passera. Puisqu'il dit, commence la conquête. Et la conquête commence par le fait de se lever. Et dans la parole de Dieu, toutes les fois que Dieu dit à quelqu'un, lève-toi, c'est parce qu'il t'a vu assis trop longtemps. Il t'a vu couché trop longtemps. Il voit que tu es inactif. Tu dois passer à l'offensive, mon frère, contre ces obstacles. Écoute, je reçois à cœur de te dire, à partir de ce qu'on est en train de dire, les obstacles là sont comme un mirage pour toi maintenant. Est-ce que tu comprends mirage? C'est comme si c'est réel devant toi. Tu vois ça, ça t'effraie. Tu crois que c'est réel et tu te mets à marcher. Et puis tu ne marches pas stressé. Tu marches détendu. Tu avances. Tu avances. Tu avances. Et tu vois ces mirages se dissiper devant toi. C'est ce qui se passera dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Ces problèmes qui semblaient réels pour toi sont devenus des mirages au nom de Jésus. Et c'est devenu des mirages. Tu avances et tu les vois s'écrouler devant toi. Tu avances et ils n'existent plus. C'est ce qui est ton partage. Puisqu'il faut se lever, regarde, Anne s'est levée. Anne est sortie des mortifications de sa coépouse Pénina. Elle dit, mais Pénina, tous les jours elle me mortifie. Et mon mari me donne des gigots. Et il me flatte. Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Quel mensonge! Un jour, elle a dit, assez, c'est assez. Et il a dit que Anne se leva. Déborah aussi s'est levée. Elle a dit que quand les chefs étaient sans force, dans Juges 5:7, il dit, quand les chefs étaient sans force les chefs, moi, Déborah, je me suis levée comme une mère en Israël. Et ce matin, je vois des Josué qui sont encore assis. Il y a des choses que tu dois faire. Moïse, mon serviteur, est mort, dit l'Éternel.